Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft, voilà, pour le ressource pack de cette nouvelle semaine. Je vais juste changer un petit truc, voilà, remettre les animations all on afin de faire un truc de qualité, bien évidemment. Donc, du coup, voilà, donc le petit ressource pack, donc j'ai découvert moi-même celui-ci, donc sur une vidéo. Alors, je ne serai pas vous retrouver la vidéo, de toute façon, tous les détails sont en lien dans la description, bien évidemment. Donc, du coup, voilà, donc c'est le Slope Infinity x16edit.zip, voilà, un paquet de texture que je trouve assez cool, que j'ai découvert, on va dire, ouais, il y a à peu près 2-3 jours, et que je trouve assez sympa, tout simplement. Donc du coup, voilà, encore merci, hein, bien évidemment, pour tous les ressources que vous m'envoyez, c'est sympa, ça fait durer la série, donc du coup, voilà, et ouais, comme je disais, voilà, parce qu'il y a des gens qui me demandaient quand j'allais présenter leur ressource pack. Je pense que je les présenterai tous de toute façon un jour, mais le truc c'est que vous m'en avez envoyé tellement, plutôt, voilà, on va essayer de parler français, hein, en ce début de vidéo ce sera pas mal, que ben, je pourrais pas, en tout cas pour l'instant, bah, tous les présenter, donc du coup ça sera fait au long terme, vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, hop, donc ce petit pack de texture, ouais, donc comme je vous ai dit, que je trouve assez sympa, franchement je le trouve assez cool. Donc comme vous pouvez voir, minerai d'or qui est là bas minerai de émeraude, minerai de stone, minerai de fer et minerai de diamant, le diamant normal, voilà, qui est comme ceci, tout simplement. Franchement, non, je trouve ça assez sympa. Donc du coup voilà, hop, donc on va passer maintenant aux épées vite fait, voilà. Donc les épées, donc là, la petite épée en bois, la petite épée en gold, tout simplement la petite épée en stone, hein, bien sûr, et la petite épée en iron, et ma préférée, attention, l'épée en diamant. Alors oui, je sais, de plus en plus, en ce moment, je tiens beaucoup plus a priori, entre guillemets, l'épée en diamant, qu'elle est pas en fer, alors que c'est celle que, entre guillemets, j'ai le plus souvent, on va dire, hein, vu que je fais principalement du haché, voilà, je pense que vous le savez depuis le temps. Et ouais, c'est vrai que à chaque fois j'hésite à faire une petite épée en diamant. Non, franchement, non, je prends celle en fer, parce qu'elle est vraiment, vraiment assez stylée aussi, hein, mais franchement, l'épée en diamant, c'est là. Voilà, il n'y a aucun, voilà, voilà, tout simplement. Hop, on va même prendre la bombe de notre chien. Donc du coup voilà, donc pour tout le reste, hop, donc la pomme normale, la pomme, alors ouais, donc là c'est une sorte de petit truc que j'ai trouvé assez original. Je tenais à avoir votre avis, on va dire, en commentaire, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. On dirait qu'il est une petite cape, j'en sais rien, je sais pas trop ce que ça représente, mais j'ai trouvé ça assez stylé. Donc du coup voilà, donc le feu pareil avec le low fire, hein. La petite canne à pêche, donc qui est comme ceci, hein. Voilà, qui je trouve assez sympathique, l'arc comme ceci, et qui est franchement super badass. Bon, il est plus fun, on va dire, voilà, c'est plus sympa que fun à jouer que pour tryhard, mais franchement j'ai trouvé assez sympa. Donc du coup voilà, les petites particules de love, le petit particule de feu, et voilà, voilà, c'est à peu près tout. Alors par contre là j'ai fait un peu n'importe quoi, au pire, voilà, hop, fuck, on casse comme ça, voilà, voilà, hop, maintenant on va passer aux particules, les petites particules, donc des villageois, enfin des critiques, hein, tout simplement. Donc les coups de sharpness normal comme ceci, coup de sharpness plus critique, voilà, et coup critique normal, bref, vous connaissez les bails maintenant, tout simplement. Je vous ai peut-être pas fait voir la critique à l'arc, voilà, c'est comme ceci, tout simplement. Donc voilà, voilà, comme d'habitude on va garder ça, ça serait, non, on va garder le pendule sur une fois qu'on a une cible. Bon, après pour la bouffe, il y a rien qui change, le briquet, hein, qui édite un peu. Puis voilà, après le reste, je crois pas que ça change de ouf. Ensuite, donc, juste pour les petites armures que je trouvais assez sympathiques, donc l'armure en cuir qui est un peu plus foncée que d'habitude, les petites armures en or qui est assez sympa aussi, qui est un peu plus, je sais pas, doré, plus coloré, je serais pas trop vous dire. Avec le petit logo, hein, bien évidemment, alors qui est que dans celle-là, je crois, ouais, que dans celle-ci, donc l'armure en maille qui est plus foncée, je sais pas, c'est la petite mode en ce moment et je trouve ça assez sympa. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu, hein, au début, hein, comme je l'ai fait, avec ces deux choses, voilà, on ne voit pas le visage, on a un petit peu le visage masqué, hein, bien évidemment, quand on a ce genre de casque. Donc du coup voilà,
Après, il faut jouer sans casque, mais bref, on s'en fiche. Donc voilà pour l'armure en iron, l'armure en diamant et l'armure en diamond enchant, que je trouve vraiment super classe. Donc du coup, voilà. Bref, et bah écoutez, on a déjà fini avec ce pack. Bon, voilà, hein, comme d'habitude, ceci est toujours autant bugué, le ciel a disparu, bref, hein, voilà, vous connaissez les bails comme d'hab. Bref, en tout cas, ben, merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite voilà à tester le pack de vous-même et de me donner votre avis voilà constructif, bien évidemment, en fin de vidéo, que ce soit maintenant à chaud ou après avoir un petit peu testé. Franchement, prenez le temps de tester ce pack parce que franchement, pour moi, c'est l'un des plus réussis, on va dire, depuis le début de cette série. L'un des mieux, on va dire, plus fun à jouer, surtout l'arc, je le trouve assez sympa, franchement, je le dis pas mal en ce moment. Enfin bref, voilà, vous connaissez les bails, puis il y a un peu les mêmes blocs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu les mêmes blocs hein, que celui de l'origine. Donc du coup, ça me dépayse pas trop. Bref, merci à vous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le like, pardon. Et on se retrouve très bientôt, c'était ça. Bye tout le monde.